Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment créer un stérilisateur à foin à moindre coût. En effet, le purificateur à foin, pour ceux qui connaissent un peu son utilité, est vivement recommandé pour les chevaux faisant de l'emphysème, comme c'est le cas de Jean. Et il y a 2 ans de ça maintenant, il m'a été vivement recommandé par mon vétérinaire de passer le foin de Jean dans un stérilisateur. Jean ne supportant plus le foin bien humidifié que je lui proposais à l'époque sans me faire de crise d'emphysème. J'ai donc fait quelques recherches sur ce fameux stérilisateur à foin dont on m'avait parlé à l'époque. Et je dois vous avouer que quand j'ai vu le prix auquel il était vendu, j'ai fui. Je me suis donc renseignée sur quelques sites pour voir à créer un stérilisateur à foin pas trop cher et dans les limites de ma bourse. Car il faut le savoir, s'occuper d'un cheval coûte tout de même cher, et encore plus quand les problèmes de santé de celui-ci s'accumulent dû à son âge qui avance. J'ai donc trouvé ce que j'ai cherché au bout de plusieurs semaines de recherche à l'époque, et je me suis dit, il y a quelques jours, pourquoi pas vous faire profiter de cette astuce simple et qui ne coûte quasiment rien au total. Il vous faudra donc pour ce faire une vieille caisse, mâle ou congélateur. Pour ma part, j'ai opté pour une caisse de jardin en plastique achetée 30 € à l'époque qui a quelques années d'utilisation maintenant, je le reconnais. Une décolleuse à papier peint que vous pourrez retrouver dans tous les magasins de bricolage tels que Bricomarché et Brico-Dépôt. Pour ma part, et vu l'utilisation que j'en fais, j'ai acheté la mienne sur Amazon 30 €. Il vous suffira donc de faire glisser le tuyau qui permet à apporter la vapeur d'eau engendrée par la décolleuse lors de son processus de chauffage au fond de votre caisse. En vérifiant bien de laisser un petit espace de sortie à votre tuyau pour pouvoir fermer le couvercle de votre caisse sans pincer ce dernier, ce qui aurait pour conséquence de vous poser quelques soucis pour la suite. Pour ma part, j'ai fait le choix de prendre une caisse en plastique pour fabriquer mon stérilisateur, car le plastique, une fois chauffé, a la particularité de se déformer et de se faire au passage du tuyau. Ainsi, plus de soucis de pincement de tuyau lors des prochaines utilisations. Vous aurez ensuite besoin d'un ou plusieurs fils à foin remplis de foin, bien sûr. Pour ma part, ma caisse étant plutôt grande, je peux me permettre d'y mettre un grand filet à foin de 6 kg et un petit filet de 1 kg côte à côte. D'un arrosoir rempli d'eau pour mouiller un peu le foin déposé dans votre caisse. D'une ficelle à ballot pour fermer le couvercle de votre caisse et donc la rendre plus hermétique possible. Ainsi que de votre décolleuse à papier peint remplie d'eau propre et branchée à l'électricité. Il vous suffit ensuite d'attendre que la décolleuse ait terminé son cycle pour servir à votre loulou un filet à foin tout fumant et à la bonne senteur d'artichaut. Car oui, il faut le savoir, le foin, une fois stérilisé, a tendance à sentir l'artichaut, ce qui pour ma part ne me dérange pas du tout, ainsi que Jean qui apprécie beaucoup cette odeur. A savoir aussi qu'il y a possibilité, si vous devez stériliser votre foin plusieurs fois la journée, comme moi avec Jean, de brancher la prise de votre décolleuse à un programmateur que vous aurez au préalable programmé aux heures que vous aurez choisies. Ainsi, plus de soucis d'oubli de branchage de vos décolleuses. Voilà tout le monde, c'est la fin de ce DIY. J'espère pour ma part qu'il vous aura aidé dans la réalisation de votre stérilisateur si vous en aviez besoin. Sinon, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, la commenter si vous avez des questions et vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vos poneys petits et grands. Ciao, ciao !